baluchon à part avec sa valise pour remplacer les dents. Et elle prend en charge, dans le milieu même, la personne atteinte pour que madame ou monsieur partent en vacances. Ah, bonjour, je pense pas là, que je pourrais faire ça à l'année longue sans aucun répit. Sans le baluchon, probablement qu'il aurait fallu que je le place plus vite que maintenant. Ça a été formidable. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui correspondaient aux besoins que j'avais. Les bénévoles, là, je vais le dire, et moi. Je me sens utile. Les gens sont heureux de nous rencontrer aussi. Alors ça fait mon bonheur. Tout le monde est gagnant. Et moi aussi, beaucoup. D'abord, je pense. J'aime ça, je suis passionné de ça, je suis passionné de hockey. Puis j'aime ça, aider les jeunes. Fait que c'est pour ça que je reste là-dedans, puis je pense que je vais rester là-dedans assez longtemps. La vieillesse, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question d'attitude puis dans le cœur. Tant que mes jambes vont me permettre de monter les escaliers, je vais le faire. Ça me garde jeune. Continuer à vivre puis à aimer la vie, ça. La vie est belle. Accroître le soutien pour améliorer significativement les conditions de vie des aînés et faciliter leur maintien à domicile, voilà l'essence de la politique Vieillir et vivre ensemble. C'est un projet de société pour un Québec riche de la contribution de ses aînés.